présenter le bourdon de poche, bourdon grave de poche. Ces bourdons graves de poche permettent d'enrichir la mélodie, d'avoir un accord avec la tonique ou la dominante de l'instrument, et en même temps d'enrichir l'harmonie. Nous pouvons avoir des bourdons de poche avec 3 notes, 4 notes ou 5 notes. Aujourd'hui, je vais vous présenter un bourdon de poche à 4 notes. Un sol, un ré, un do et un la. Comme ça, nous pouvons avoir les bourdons graves qui correspondent aux tonalités principales de l'instrument. Je vais vous faire écouter les bourdons d'abord sans l'instrument et après je vais vous faire une démonstration avec l'instrument. D'abord, je vais vous faire écouter un bourdon de sol. Maintenant, un bourdon de ré. Un bourdon de la. Et un bourdon de do. Nous pouvons également mettre le bourdon de sol et le bourdon de ré ensemble pour enrichir encore un petit peu plus l'harmonie. Voilà pour les bourdons graves. Maintenant, je vais vous faire une démonstration avec l'instrument. Je vais vous jouer un morceau d'abord avec le bourdon de sol, ensuite avec le bourdon de ré, et ensuite avec le bourdon de sol et de ré ensemble. Maintenant, le même morceau avec un bourdon de ré grave. Et maintenant, bourdon grave, sol et ré, ensemble. Maintenant, je vais vous jouer un morceau en tonalité de do et un bourdon de mi au brunidé avec un bourdon grave de do. Voilà, avec le bourdon de do grave. Maintenant, avec le bourdon de la, je vous joue un morceau en la mineur. Thank you.
avez eu un petit échantillon des bourdons graves, vous avez pu constater que vraiment ça enrichit l'harmonie et ça améliore beaucoup le jeu de la cornemuse.